réparer ça. Finissez-le. Attends un peu. Je vois plus rien. Mais... Pas du tout, Whisper. Tu dois travailler plus. Vous ne m'avez jamais vu dans l'arène. Dommage, vous auriez appris un truc ou deux. Continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour. Sans votre intervention, je l'aurais bien battu. Nous manquons déjà cruellement de héros. Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement. Parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement. Je serai sur le champ de tir. Ouais. Une ou deux erreurs mineures, mais c'était bien dans l'ensemble. Ouais, écoute, ça va bien aussi, Tarendi. Faut que je regarde. Dans ce cas, réessayons. Laissez faut que j'arrive à mémoriser les touches. Ah, faut que tu récoltes de la pierre et du bois et un peu de tout. Et puis regarder avec B et ce que tu peux crafter. Oui, ça je sais. Ouais, il y a moyen d'enchaîner. On va passer à ça, non, on avait déjà tout lu. Continuez. Mais il va te falloir une hache, une pioche. Continuons l'entraînement avec l'arc. Ah, je le sens mal, ça. Commençons par voir si vous pouvez toucher les trois cibles immobiles. Et mettez-y de la force. Plus vous tendez la corde de l'arc, plus vous infligez de dégâts. Attention. Je sens que ça va de nouveau pas être intuitif. Ensuite, verrouillez la cible. Bon, ça va en fait. Vous avez oui, oui, il a vite grandi, hein. Mais les ennemis ne restent pas immobiles. Passons maintenant à des cibles mouvantes. Vous avez. Je le sens mal. Pour faire le maximum de points. La cible de devant vaut 1 point. Celle du milieu en vaut 3. Et la cible de derrière rapporte 9 points. Souvenez-vous, plus vous tendez la corde de l'arc, plus votre tir inflige de dégâts. Plus de monsieur, dégâts il fait nuit. Plus de points. Mais il faut doser puissance, précision et cadence de tir. Voyons ce que vous voulez. Ils nous font bosser de nuit.
porter votre arc. Et je veux changer de cible. Ah. Et je marque pas de points là. Mais laisse-moi changer de cible. Oh, c'est la merde ce truc. Dans ce cas, réessayons. C'est nul ce truc d'arc. On peut pas viser comme on veut. Maintenant, laissez filer la flèche. Plus vous tirez sur la corde, plus votre tir sera puissant. Ça allait. Allez, gars, sortez votre arc. On va spammer le premier, hein. Les précis sont plus faciles avec le zoom. Tu vas arriver à toucher ceux de derrière. Là, la flèche, elle dévie pour aller sur eux, tandis que les autres, elles restent bien droites. Je comprends pas trop. Pas mal, mais essayez de tirer plus puissant. Ah, ils disent de tirer vite. Nous verrons oh, allez. La voie de la volonté. Parlez-moi quand vous serez. L'arc, c'est pas mon truc là-dessus, hein. Je serai sur l'île près des cascades. Et on dort quand, monsieur ? Y a-t-il des apprentis pour un entraînement de mêlée ? Ça sert à quoi de ramasser des pommes ? Ok, je m'en doutais un peu que j'avais pas de clé, hein, mais on regarde quand même, hein. Il nous reste la. Vous allez apprendre les pouvoirs de volonté. Frappez ces mannequins avec la foudre. Voyons ce que vous savez faire. Ok, là du coup c'est B. C'est ça. Voyons combien vous en touchez en 30 secondes. N'attaquez que les mannequins qui sont tournés vers le centre de l'île. Vous ne marquerez pas de points en les touchant derrière. Vous perdrez seulement du mana. Les pouvoirs de volonté consomment du mana, qui se régénère progressivement. Ok, on a du mana.
Non, c'est pas ça que je voulais faire. On enchaîne. Excellent usage de la magie. C'est mieux que l'arc. Très bien. Vous avez appris les trois disciplines de héros. Nous pouvons maintenant passer au test final si vous êtes prêts. Vous pouvez aussi explorer davantage la guilde. Je crois que Whisper compte aller dans les bois de la guilde si vous souhaitez la rejoindre. Elle m'aime pas, mais je vais y aller quand même. Je serai dans la salle de la carte quand vous serez... Ok, monsieur. Y a-t-il des apprentis pour un entraînement de mêlée ? Laissez-moi atteindre la zone de volonté pour vous noter. Je me suis fait bloquer par un coin de table qui ne devait pas me bloquer. Il bloque surtout ce gosse. Une autre manière d'interagir avec les personnages est d'utiliser les expressions. Ces actions et compétences simples peuvent être utilisées à l'aide de la croix directionnelle tout comme avec les objets. Elles apparaissent au moment approprié. De nouvelles expressions s'acquièrent par des changements d'alignement, de renom et par d'autres moyens. Ah oui. Ok, on va regarder. En fait, je peux rien acheter chez lui pour le moment. Ah, t'as qu'à pas être si cher, monsieur. Ça tombe pas du ciel, l'argent. Hein. J'ai pas compris, c'est selon les différents trucs, j'avais pas la même somme d'argent. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Ça, c'est la porte d'entrée. Oh, des bibliothèques. Ouh, deux petites secondes, j'ai mon chat qui pète les plombs, mais il y a un insecte bizarre qui est rentré chez moi. Il n'y a plus d'insectes bizarres. Comme ça, c'est fait. Bon. On va fouiller toutes les bibliothèques. Hein. Je suis pas sûre qu'avoir autant de livres me soit utile, mais on verra bien. Ça fait beaucoup de livres, il va falloir que je trouve comment accéder à mon inventaire. Les dragons, oh ça, ça a l'air bien par contre. La reine.
Il y avait une autre salle comme ça en face ou pas? Ah non, c'est de nouveau le marchand. Non, c'est bon. À l'étage, est-ce qu'il y a des choses à fouiller? La chambre là, la chambre ici. Ouais, j'étais pas allé plus loin, je m'étais dépêché. Hop. Oh. Ok. Bon, alors j'aimerais bien mon inventaire. Ça fait quoi, Start? Non. Ça fait quoi? Alors, carte de la région, journal. Magie, mes stats. Pas de gants, gants d'apprenti. Je mets les gants d'apprenti. Haut d'apprenti à capuche. Portée. C'est la même chose. Ok, il l'a déjà sur lui. Normalement, il a déjà les bottes. Ok. C'est pas ça que je voulais trouver, mais bon. Non, mais c'est toujours pas ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va éviter de faire des bêtises, hein? Non, c'est par là-bas que je veux aller. Si j'ai bien compris, je peux vendre des trucs à l'autre débile, là. Vous êtes au bon endroit. Alors... Vendre. Pommes à cuisiner. Tout vendre. Ok. Je peux pas vendre les livres que j'ai eu. Donc. J'ai combien d'argent? À 78. En fait, j'ai pas assez. Si je pourrais prendre les gants de villageois, mais c'est pas. Ok, moi c'est pas grave. J'ai au moins vendu des trucs. Bon, bah on va aller dans le bois. Hein. J'adore parce que de l'autre côté il faisait jour, ici il fait nuit. Hein. Y
faudrait-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc? Bon bah les pommes c'est pour revendre hein. Le nid de Scarabée est au sommet. Attends. Tu as entendu? Ça vient de par là. Des bandits. Si seulement on pouvait passer cette rivière. Je sais. Si tu utilisais ton arc, ou la foudre que le maître de la guilde t'a enseignée, je te soignerais si tu es blessé. Pourquoi je peux pas les viser réellement? Bon, on va faire autrement. Allez, non, Y, sors ton arc. Non mais, Y! Non mais... Elle me soigne quand elle veut, par contre, parce que j'ai déjà pris des dégâts, mais elle fout rien. Bien joué, on a réussi. Tu as vu leur tête? Ah oui, il est 22h20 ici. Et il a l'air débile avec sa capuche. Faut que je lui mette sans capuche. Ah, il a l'air un peu moins bête. Bon, moi, j'ai battu des bandits, écoute. Pourquoi pas? Ça va, elle a l'air moins méchante, maintenant. Si toutes les boutiques de la ville sont fermées, vous pouvez vous en remettre à l'aubergiste qui est à son poste jour et nuit. Il vend des objets usuels, mais les vend un peu au-dessus du prix moyen. Ouais, autant acheter de jour, quoi. Et puis là-bas, le maître. Moi, si j'étais toi, j'entraînerais ma volonté. Quelqu'un pour un entraînement de volonté? Allez, on va faire un petit entraînement. Vous avez 30 secondes à partir du premier éclair pour détruire un maximum. Vous savez qu'un A+ rapporte un prix spécial? Mmh. Oh. Cessez tout de suite. Et change de cible, mon gars. Range ton arc. Ah ouais, plus je lui ai tiré dedans, du coup j'ai droit à un plus. Et c'est moi le meilleur? Eh ben on est dans la merde hein. Les héros sont vraiment très bas niveau, level de nos jours. Moi je mélange level et niveau, tout va bien. Ils sont très bas niveau.
Il y a quoi là-haut ? De la durée du périple. Il faut protéger l'oracle à tout prix. Putain, il a une de ses voix. Vous serez peut-être plus utile ici. Qui sait quel combat nous attendent ? Les signes sont manifestes et les terres désolées sont restées trop longtemps isolées de la guilde. Je pourrais en apprendre beaucoup là-bas. Eh bien, j'espère au moins que personne ne pensera que vous fuyez le combat. La rumeur va bon train, vous savez. Cela ne m'importe guère. Que la mort vous épargne, Maz. Qu'est-ce que vous attendez ? Entrez. Faux. C'était un grand héros jadis quand il avait de la chair sur les os et du sang dans les veines. Ce n'est plus qu'une enveloppe vide. Que c'est-il des choix que nous devons faire et des sacrifices à réaliser ? Pas faux. Tu dois faire tes rapports au maître de la guilde et non à... Pour savoir où il se trouve, tu n'as qu'à consulter... Ok, ok. Et t'as des bibliothèques, toi ? Y'a pas d'autres bibliothèques ? Si, mais c'est dès que je veux pas fouiller. Je suis rentrée par où, moi ? Par là. Alors, non, tu coûtes trop cher. Bon, le maître de guilde est là, mais si j'ai bien compris, je peux aussi vendre des choses à la taverne. Pour vous servir. Alors. Ah, j'ai des pommes, mais je peux pas lui vendre. Ok, c'est bon à savoir. Allez, on va enchaîner. Il assimila les enseignements aisément, mais il y avait toujours plus à apprendre. Pendant des années, la guilde fut son foyer, son école, sa vie. Mais à mesure que le temps s'écoulait, ses aspirations se tournaient vers l'extérieur. La vie qui lui avait été volée, la famille à laquelle on l'avait arrachée. Vint enfin le jour de ses épreuves finales. S'il réussissait, ce serait la fin de son entraînement. Il recevrait le sceau de la guilde et serait libre de forger son propre destin. Il deviendrait un héros. Bon, ben après l'adolescence, l'âge adulte, je suppose. Vous devez réussir une dernière épreuve. Allez dans les bois de la guilde, jusqu'au tronc sur la colline. L'épreuve vous y sera révélée. Bonne chance. Allez, on va aller voir ça. Non, avec RB, ça voulait pas changer. J'ai essayé plusieurs fois. Normalement, j'ai le droit, mais là, il voulait rien m'acheter. Maintenant, j'avais qu'une pomme, donc... Comment passer l'épreuve finale. C'est simple. Il est grand, lui. Tu dois me vaincre en utilisant tout ce que tu as appris. L'épée... Je suis dans la merde. Frappe-moi, si tu peux. Très rapide. Ah, un beau coup. Bien. Maintenant, utilise ton arc. Pas trop près quand même.
Ah, il est là. Excellent. Pour terminer, lance-moi le sort foudre. Allez, va pour la foudre. Range-moi cet arc. Ça suffit. Très impressionnant pour un novice. J'ai pas eu l'impression de le toucher, hein. Beaucoup plus dangereux, bien sûr. Tu as réussi l'épreuve finale. Le maître de la guilde va donc te remettre ton sceau de la guilde. On est un petit peu dans la merde, hein. On n'est pas dans la merde. J'espère qu'ils seront tous gentils à me laisser les taper. Et ça passera peut-être. Le vol peut être puni par une lourde amende. Assurez-vous de ne pas vous faire surprendre ou les gardes interviendront. Le vol de jour peut être tentant, mais les visites nocturnes sont moins risquées si vous êtes discret. Et j'ai pas le temps de tout lire. Eh bien, c'est le grand jour, garçon. Je me souviens du jour où vous êtes arrivé. Et regardez-vous maintenant. Il a arrêté de pleurer. De croire en vous. Allez, venez. La cérémonie aura lieu dans la salle du destin, la partie la plus ancienne de la guilde. Sans renom, un héros n'est rien. Le peuple d'Albion respecte ceux qui ont une réputation et se moque des arrivistes et des prétentieux. Ok, ça va super vite. Depuis des années, vous travaillez dur pour mériter le titre de héros. Aujourd'hui, votre apprentissage prend fin. Vous partez pour accomplir de grandes tâches. Des faits qui resteront dans le cœur des gens. Ou qui les terrifieront. Non, va être gentil. Les ombres d'Albion s'éveillent et des vents étranges soufflent. Vos choix, qu'ils vous conduisent sur la voie du mal ou du bien, changeront la face du monde. Prenez de la guilde, vous êtes des héros. Ouais, bravo! Ils nous aiment tous bien. Plus vous serez célèbre, plus votre présence sera remarquée, célébrée ou même crainte. L'augmentation de renom est signalée en bas à droite de l'écran par une icône de héros doré. À retenir. Le jour du départ, mon garçon. Vous êtes plus que jamais membre de la guilde. Sur la table de la carte, vous trouverez des détails sur les quêtes que les héros d'Albion accompliront. Et vous reviendrez souvent pour transformer votre expérience en compétences. Ce n'est que comme cela que vous progresserez en tant que héros. Venez à la lumière et je vous expliquerai comment faire. Ok, c'était pas dur. La force avec laquelle vous pouvez manier votre arme est donc la quantité de dégâts que vous pouvez infliger. En outre, plus vous êtes fort, plus il vous est facile d'utiliser des armes lourdes. Plus votre santé est élevée, plus vous pouvez supporter de dégâts. Santé détermine la longueur de votre barre de santé. La vigueur représente votre résistance de bas aux dégâts. En fait, votre armure naturelle. Plus vous êtes vigoureux, moins vous subissez de dégâts lorsque vous recevez des coups. Oh, on va commencer par le physique, hein. J'ai encore des points? Non, j'ai plus de points. Je sais pas où on voit les points, mais j'en ai plus. Je n'ai plus grand chose à vous enseigner, mais si vous avez besoin de conseils, je serai là.
ni votre sceau de la guilde me permettra de vous parler à tout moment. Vous verrez aussi qu'il clignote quand vous avez assez d'expérience à dépenser. Je vous ai fourni des fournitures de base. Cela devrait vous suffire pour un moment. Vous avez tout un monde à explorer. Hop. Bon, du coup, sur ce, on va dire au revoir à YouTube et leur dire du coup au prochain épisode pour la suite hors de la guilde. Chou 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 YouTube, des bisous.